à tous, je vous souhaite à nouveau une bonne année 2020 puisque peut-être que je vous ai déjà vu dans la vidéo précédente sur mes résolutions, je vous la remets juste ici. Aujourd'hui je vous propose un bilan sportif de mon année 2019, d'ailleurs je suis très curieuse aussi de connaître la vôtre, donc n'hésitez pas à me parler un peu de votre année sportive de 2019 dans les commentaires. Aujourd'hui, un peu comme l'année dernière, je vais pas vous parler de toutes les courses que j'ai fait en 2019, vous avez globalement tous les comptes rendus sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs je vous listerai tout ça dans la barre d'infos si vous êtes curieux ou sur le blog. Aujourd'hui je vais un peu faire comme l'année dernière, je vais essayer un peu de choisir la course qui a été le plus difficile pour moi dans l'année, la course que j'ai préférée, un peu comment je me suis préparée, ma motivation, les changements par rapport à 2018, je pense que ça peut être pas mal. Donc rapprochez une tasse de thé puisque cette vidéo risque d'être un peu longue. Donc on va commencer par course qui a été le plus dur ou la course que j'ai le plus détestée. Je pense que c'est difficile de détester une course dans le sens où quand on prend un dossard, on est quand même censé vouloir prendre du plaisir quand on va s'inscrire. Je pense que la course qui a été le plus difficile pour moi en 2019, et c'est très difficile de choisir puisque j'hésite entre la CCC et le marathon de Tokyo. Je vais choisir le marathon de Tokyo pour plusieurs raisons. D'une part, les conditions, il a plu du début jusqu'à la fin, donc autant vous dire que c'est très difficile de se lancer sur un marathon et de se dire je vais être sous la pluie pendant 42 km. Voilà. D'autre part parce que la préparation a été assez intense, donc moi je voulais vraiment aller chercher un record sur ce marathon. Ça faisait plusieurs fois que je ratais ce que je voulais faire sur marathon. Une fois ça a été quand je me suis fait ma fracture de fatigue à Barcelone, et l'année d'après Los Angeles ça a été juste pour reprendre dans l'univers marathon on va dire. Donc là je me suis dit Tokyo c'est mon année, je vais chercher un record. Donc combiné à une préparation en hiver très difficile, je crois que tout l'hiver à Montpellier il y a eu du vent, énormément de vent le dimanche quand je devais faire ma sortie longue, donc c'était comment vous dire, c'était très difficile de la préparer. Ensuite sans parler des fractionnés que je me suis imposée pour aller chercher ce record là, franchement ça a été dur. Et quand arrive le jour J, entre le décalage horaire, le voyage et là, bim, tu te retrouves avec littéralement des seaux d'eau pendant 3h42, c'est le temps que j'ai mis. Ouais, c'était compliqué. Donc voilà, je pense que c'était la course la plus, ouais, la plus dure selon moi. Mentalement, ouais, mentalement, préparation. Parce que je crois que en fait, je prends moins de plaisir sur la route puisque c'est vrai que je suis en train de dire, non mais attends, ta préparation pour la CCC et le trail, ça a été beaucoup plus dur. Mais ouais, je pense que le fait de préparer sur route, je trouve que mentalement c'est plus difficile, on s'impose des séances qui sont assez exigeantes. Alors qu'entre elles, il y a quand même les paysages, enfin bon. C'est difficile de répondre à cette question, je montre comment j'avais fait l'année dernière. Après, globalement, en 2019, le marathon de Tokyo a été clairement la seule course sur route que j'ai fait. Après, je n'ai fait que du triathlon et du trail. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur mes résolutions, 2009 a été un peu particulier dans le sens où de par l'achat de la maison on a fait beaucoup moins de courses. Là je regarde les dossards que j'ai rassemblés, il n'y en a pas beaucoup, donc déjà il y en a, à part Tokyo il n'y a aucune autre distance sur route. J'ai fait très peu de triathlon, donc comparé à 2018 où j'avais fait un Ironman et pas mal de triathlon pour préparer cet Ironman, il n'y a pas eu d'Ironman, donc voilà. C'était pas parce que je ne voulais pas, mais c'est juste une question de temps et surtout de choix. Car même si j'adore tout ce qui est des longues distances, en fait vous avez que un an et c'est difficile de concilier la préparation à de l'ultra trail et de la préparation ultra triathlon. Donc c'est à dire on se retrouve, enfin des triathlons XL, on se retrouve à faire beaucoup de vélo. En plus il faut que le format de l'Ironman peut-être corresponde aussi à ce qu'on va travailler pour le triathlon, il faut que les dates correspondent. Donc c'est vrai que quand on a choisi ce qu'on voulait faire en 2019, on a considéré le fait que on avait la maison, on avait le bricolage, on avait l'emménagement, on avait la rénovation. Donc tout ça c'était du temps qu'on ne pouvait pas mettre dans la préparation de course, dans des déplacements.
Donc voilà, il y a eu d'autres priorités. Ça a été des priorités trail et triathlon. Donc du triathlon plus court, j'ai fait 2 Half Ironman, j'ai fait les Sables d'Olonne et j'ai fait Marrakech. Là-bas, et c'est la première fois, je cherchais vraiment à battre mon record sur cette distance, sur ce format-là. Sur les Sables d'Olonne, ça a été, j'ai été super contente. Super temps en natation, super temps en vélo, moins bien en course à pied, et en plus j'avais pris une pénalité. et Marrakech, ça a été celui qui a terminé la saison. Donc Sables d'Olonne c'était en juin, Marrakech c'était en fin octobre. Dans les deux cas, l'organisation, bon, vous savez ce qui s'est passé à Marrakech, voilà. La météo a été impeccable, l'organisation a été superbe, j'ai passé une superbe course. En fait, 2019, ça a été l'année où j'ai moins fait, mais j'ai fait plus en qualité. Et surtout, j'ai eu la chance, contrairement à 2018, d'avoir de superbes conditions de course. Alors, on va un peu rembobiner, mais j'ai juste envie de vous rappeler que depuis 2 ans, entre 2017 et 2018, je n'avais que des conditions de course pourries. Et quand je vous dis pourries, c'est genre même des courses où normalement il fait super beau, genre j'étais la première année où oh, il fait dégueulasse. Donc voilà, d'ailleurs quand j'ai couru le marathon de Tokyo et que ça, donc c'était ma première course de 2019 et que je me suis retrouvée sur des troncs d'eau, je peux vous assurer que je me suis dit non mais là 2019 ça va pas le faire, ça commence super mal quoi, je commence un marathon sous la pluie, ça va être quoi toute l'année? Au final ça a été superbe. J'essaie de me souvenir, mais entre le marathon de Tokyo et les Sables d'Olonne, il n'y a pas eu de... Non, je crois que j'ai participé à aucune course. Je suis venue vous encourager sur le marathon de Paris. Ça, c'est un rendez-vous qu'on a ensemble tous les ans. Et j'aimerais rassurer certains et certaines qui me demandaient si j'allais être là de nouveau en 2020. Et la réponse est oui, bien entendu, je serai là. Et je vais essayer d'organiser, comme l'année dernière, une rencontre en amont. Et à nouveau, je serai là pour vous donner les médailles. C'est encore confirmé, mais moi, j'ai bloqué mon week-end. Je pense que vous aussi, si vous avez déjà votre dossard... Voilà, donc ça c'est déjà pour le marathon de Paris, mais non, je ne compte pas y participer, c'est vrai qu'on m'avait pas mal demandé. Voilà, je pense qu'il y a quand même un gros trou, parce que je me suis concentrée ensuite au printemps sur la préparation donc de l'Half Ironman des Sables d'Olonne, le dossard est juste derrière moi, et ensuite du trail dont je rêvais depuis qu'on a fait ce road trip dans les Dolomites en 2000, bah, c'était en 2018, qu'on a fait le Stelvio à vélo, bah c'était, il est là le dossard, c'est la Cortina Trail, c'est un trail de 48 km dans les Dolomites. Ah, c'était magnifique, je vous remets le compte rendu par ici. Ça, ça a été vraiment, alors on a beau dire les Alpes c'est magnifique, mais je crois que ça a été ma plus belle course de 2019, mais belle au sens paysage si je devais choisir. Parce que elle est, enfin les Dolomites, j'ai pas les mots tellement c'est beau. C'est dommage que ça soit autant touristique parce que c'est vrai qu'il y a plein de touristes, mais parce que en même temps c'était magnifique, hein. Mais franchement, j'ai pas les mots parce que c'est trop beau. J'essaierai de vous remettre des images là en même temps que je parle. Et s'il y a un trail que je vous recommande de faire, c'est vraiment celui-ci. Alors il y a un tirage au sort, effectivement. Mais tentez le coup, là malheureusement quand la vidéo va paraître, tous les tirages au sort sont terminés, les dossards ont été attribués. Cette année, bah, spoiler, j'y retourne et j'y retourne cette fois sur la grosse distance. Voilà, ça va être l'un de mes objectifs de l'année en trail. Donc autant vous dire que pour préparer ce trail là de 48 km, il a fallu bah, des week-ends et... Je crois que maintenant je suis à une étape de ma vie dans le sport où c'est important pour moi de préparer ces courses-là et donc de passer du temps à les préparer. Et pour passer ce temps-là, il faut avoir des week-ends où on n'est pas à droite à gauche en train de faire plein de courses. Cela dit, j'aimerais en 2020 plus faire des courses localement, des trails locaux, mais j'ai l'impression que je rate à chaque fois les inscriptions. Je me souviens avec Mathieu, quand on fait du vélo le samedi, souvent on voit une affiche et on se dit ah merde, mais c'était la semaine dernière ce trail, hein, mais on aurait trop voulu le faire. Donc voilà, si vous habitez ma région,
autour de Montpellier, on va dire jusqu'à 1h30, donc par exemple jusque dans les Cévennes, un peu plus au nord, un peu plus au sud de Montpellier, faites-moi vos suggestions de trails locaux, parce que j'ai l'impression je rate tout à chaque fois et je suis dégoûtée. Donc moi j'aimerais bien aussi, voilà, tout simplement pouvoir intégrer ces trails-là à ma préparation, ce serait génial. Ce trail-là d'ailleurs des Dolomites, même si c'était un objectif, s'intégrer aussi à ma préparation pour le big objectif de l'année. Donc lui c'était mon objectif de l'année, l'année dernière c'était l'Ironman, cette année c'était la CCC, donc 101 km, c'est un trail de l'UTMB. Je vous remets la vidéo par ici de mon compte rendu, enfin non, c'était pas mon compte rendu, c'était un suivi de course. J'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu, c'était un peu différent des autres, mais voilà, si vous voulez lire mon compte rendu, ça sera sur le blog, on vous met le lien dans la barre d'infos. Ça c'était mon objectif de l'année, et donc comme vous le voyez, j'ai travaillé des trails qui s'articulaient pour me préparer à ce trail là, puisque même si j'ai pas fait de compte rendu de celui-ci, en juillet j'ai participé au trail des passerelles dont j'avais pris le dossard, bah d'ailleurs un peu en ce moment là, fin décembre début janvier. Et il est magnifique ce trail. Ce trail, franchement, si vous habitez la région de Grenoble ou pas, puisque nous on venait de Montpellier, on a fait l'aller-retour sur le week-end, allez-y, c'est juste... mais il est trop bien, il y a une super ambiance, vous pouvez retirer votre dossard tranquillou le matin, les vues autour des lacs sont trop beaux, les passerelles himalayennes sont géniales, faut juste pas trop avoir le vertige. Moi je garde un souvenir trop cool de ce trail, j'avais adoré, donc je vous conseille vraiment. Moi j'avais fait le format marathon, donc c'était 40 km, pareil c'était dans le cadre de ma prépa pour la CCC, et j'avais fait un super temps, super heureuse, on s'était vraiment éclaté avec Mathieu, donc voilà, franchement, voilà. Moi c'est une petite suggestion que je vous donne, mais je prends vos suggestions, voilà. Mais... il y a eu ensuite la CCC pour lequel je me suis entraînée donc globalement toute l'année. Alors c'est vrai que je vous dis que les Dolomites ça a été mon trail le plus beau en termes de paysage. Oui, la CCC c'est magnifique. Moi ce que j'aime d'ailleurs dans ces trails c'est quand on arrive en haut des cols et qu'on a ces vues mais complètement dégagées sur toute la vallée. Et ces moments uniques où bah, tu te retrouves à croiser une vache à 3h du matin, où tu échanges avec des coureurs de tous les pays, où tu viens de faire 20h, ouais, 10, on va dire 18h de course, et là, bam, le soleil qui se lève, quand t'arrives en haut du col. Voilà, ça c'est des moments uniques. Donc je crois qu'en termes d'émotion, je choisirais forcément la CCC. Parce que même si la CCC, je la classe derrière en termes de paysage par rapport aux Dolomites, mais ça je pense c'est une question de goût, pas que les... D'ailleurs, non pas que je trouve les Alpes françaises de ce côté-ci moins belles que les Dolomites et c'est le Tyrol d'ailleurs, cette région. C'est juste une question de goût parce que c'est quand même magnifique. Hein. Je veux dire, je suis pas en train de dire que c'était moche, mais c'est... voilà. Mais en termes oui, de vécu et d'émotion, clairement la CCC... Et j'ai réfléchi par rapport à mon Ironman et ce que j'ai ressenti parce que c'est quand même difficile. Je crois que c'est la course oui, qui m'a le plus poussée dans mes retranchements et qui m'a fait vivre le plus grand ascenseur émotionnel entre je vais le faire, entre c'est dur, entre mais qu'est-ce que je fous là et entre mais c'est tellement beau le trail. Enfin, c'est vraiment des émotions, mais on passe vraiment du blanc au noir sur ce type de course parce que c'est tellement long, il faut tellement travailler son mental et ça m'a tellement stressée. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi nerveuse au début d'une course parce que justement j'allais vers l'inconnu. Et c'est ce que j'aime justement quand je prépare ce genre de course assez folle, épique, challengeant, hein, puisque je vais pas vous cacher que toute cette préparation a été très dure. D'ailleurs je vous remets ma FAQ, je pense que j'aurais peut-être plus assez par ici, mais ça a été très très exigeant en termes de préparation. Peut-être moins mentalement, puisque c'est quand même génial d'aller se balader, crapahuter dans la forêt, dans la montagne, en termes de préparation, même si c'est beaucoup, ça demande beaucoup de temps et de sacrifice en termes de temps, c'est énormément de plaisir comparé finalement au marathon, où tu te tapes des fractionnés et c'est difficile quand même d'y voir du plaisir. Mais ça je parle vraiment, c'est aussi une question de goût. Hein. Il y a une époque où je préférais à fond la route et je voyais pas l'intérêt de faire du trail. Hein. On change tous. Bref, je reviens sur la CCC. Voilà, ça a été... ouais, ça a été très très dur mentalement.
physiquement, paradoxalement, ça a été difficile, mais pas aussi difficile que je l'imaginais, notamment la partie récupération. C'est vrai qu'à le jour même, j'avais du mal à marcher, mais le lendemain, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pu aller nager avec Mathieu, enfin, globalement, voilà. Et c'est pareil, la récupération, c'est vrai que j'en ai pas parlé puisque j'ai pas fait d'article, mais la récupération en septembre s'est vraiment bien passée. J'ai fait beaucoup de vélo, j'ai repris le triathlon à fond et je suis arrivée à Marrakech plutôt fraîche, dans le sens où j'ai battu là-bas mon record sur ce format triathlon-là. Et j'ai pas eu de bobo aussi lié à la CCC. Et j'ai pas eu cette lassitude... Et ce vide que je pouvais avoir ressenti, par exemple, quand j'avais couru mon premier marathon. Bon, après, j'avoue, c'est vrai que ça m'a fait bizarre d'un coup de repartir sur une prépa triathlon et de moins aller en forêt, moins aller en montagne. Et ça m'a un peu manqué. Mais d'un autre côté, ça fait aussi du bien de sortir sa tête du trail et de la remettre dans le triathlon. Et c'est ce que j'aime dans le fait, dans cette diversité de préparation. Ensuite, j'ai fait aussi le trail Meltonic. Gros coup de cœur pour ça. Je vous remets mon vlog par ici. Pareil, c'est des petits trails que j'aime bien et j'aimerais en faire un peu plus parce que c'est quand même des ambiances trop sympathiques. Et j'ai fini par une petite Saint-Élion, comme on dit, oui. Alors honnêtement, pour moi, mon année s'est terminée avec la CCC, je pense, en termes d'entraînement, puisque je suis allée un peu à la Saint-Élion, donc c'était le format 44 km, donc c'est la... Oh, à chaque fois, je confonds. C'est la Saint-Express. J'ai pas le brassard ici, mais bon, enfin le brassard, le dossard, la chasuble originelle de la Saint-Élion. Non, ça n'a pas été ma course la plus difficile. Alors je sais que pour beaucoup, vous m'avez fait, vous envoyez des messages, des commentaires, pour vous, la Saint-Élion cette année, ça a été vraiment la catastrophe en termes de boue. Et bah c'est vrai que nous, sur le 44 km, même si on a eu énormément de boue et la pluie, on a moins subi dans le sens où forcément, vu que c'était plus court. Même si bon, c'était pas la joie en termes de plaisir, j'ai pris beaucoup plus de plaisir en termes de trail hivernal sur celui de Meltonic, donc c'était un format 21 km. La Saint-Élion, moi j'aime tellement cette ambiance, c'est assez unique. Pour moi c'est comme la nuit de Noël, la Saint-Élion, on retient son souffle, on est des guerriers en mode Saint-Étienne et Lyon, voilà. Donc d'ailleurs chapeau à ceux qui l'ont fait en entier si je l'avais pas dit dans mon autre vidéo. Et on arrive finalement à cette fin d'année et où je me dis, ah bah 2019 ça a été assez light en fait. Et c'est paradoxal parce que je me dis c'est la première fois que j'ai... Et pour moi, le trail de la CCC, ça a été, mais waouh quoi, ça a été en termes de prépa, de tout, ça a été, jamais fait des, enfin je veux dire, j'ai fait des, en entraînement, je me suis tapé des 42 bornes, des 50 bornes quoi, en entraînement, même pas dans le cadre d'un trail et tout. Donc je me dis, ouais, d'accord, voilà. Et mais je crois que j'aime. Alors c'est vrai qu'il y a moins de compte rendu sur la chaîne YouTube, la vidéo est beaucoup plus courte. Mais je me dis que je préfère parce que ça permet de, comment vous dire, de vraiment kiffer la course que l'on prépare, d'avoir une préparation optimale. Et vraiment, moi, je suis arrivée sur chacune de mes courses avec la préparation optimale et pas en me disant c'est un mini truc au milieu d'un truc. Parce que même celui-ci où je vous disais ça fait partie d'une préparation globale sur l'année, il y a quand même une préparation spécifique. Cela dit, et c'est important, chaque fois que je choisis une course, ça c'est un peu un aparté si vous êtes en train justement de prendre vos dossards pour 2020 actuellement, ou voilà pour la saison, à chaque fois que je choisis une course, j'essaie vraiment qu'elle se complète avec une autre pour que la préparation de l'une ne vienne pas en opposition à l'autre. Donc par exemple, franchement, j'aurais pas pu faire un marathon à l'automne après m'être tapé une prépa de trail. Parce que j'étais quand même fatiguée de la course à pied, fatiguée de m'imposer de telles distances et de telles préparations. Et c'est vrai qu'en octobre, en septembre, j'étais contente de repartir sur une prépa de triathlon qui est plus diversifiée. Alors que pendant l'été, j'ai dû quand même pas mal mettre de côté. J'ai moins fait de vélo que l'été dernier, par exemple. Donc je crois que c'est des choix que l'on fait, mais si j'ai quelque chose qui ressort de cette année 2019, c'est moins mais mieux, clairement moins mais mieux, et kiffer plus tout ce que je fais. Donc il y a quelques années j'avais une boulimie de dossard, une semaine sur deux je me retrouvais à faire une course, et je crois que maintenant j'ai trouvé mon rythme. Je pense que je suis au maximum à un dossard par mois.
on va dire dans la saison haute, donc c'est-à-dire l'été entre guillemets, puisque là je compte, j'ai fait Marathon de Tokyo, Alpha Ironman des Sables d'Olonne, Dolomites, Maratrail des Passerelles, CCC, Alpha Ironman Marrakech, Meltonic, Saint-Élion. Ça fait 8 dossards. Je trouve que ça va sur 52 semaines. C'est hyper. Voilà, pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Je pense que je vais rester sur ce rythme-là et cette passion-là pour pouvoir vivre bien chaque course et aller au bout de chaque course. Et aussi, je pense, j'en ai même pas du tout parlé dans ma vidéo des résolutions 2020. Mais je pense que c'est aussi important de considérer l'impact de chaque course sur l'organisation et donc de bien choisir chaque course pour laquelle on participe. Qu'est-ce que je peux vous dire sur 2020 qui arrive? Mais écoutez, il y aura toujours autant de trails, toujours moins de courses sur route et toujours autant de triathlons. Je pense qu'on va essayer de trouver un équilibre. Là, je suis vraiment en train de réfléchir à un objectif triathlon qui m'intéresse beaucoup. Qui est en format Ironman, mais j'hésite beaucoup, voilà, c'est très compliqué et j'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai vraiment pas envie de vous parler tant que j'ai pas pris ma décision, parce que c'est très très personnel comme décision à prendre. On a déjà notre dossard là, déjà ce que je peux vous dire. Ah mais attendez, j'ai même pas parlé de l'étape du tour. Attendez, ça rajoute un dossard, ça c'est fou, surtout que pour moi c'était un objectif de ouf. Suis-je bête? L'étape du tour, oui, bah écoutez, moi l'étape du tour ça a été attendez, ça transforme un peu ce que j'ai dit. Ouais, l'étape du tour, donc c'est que vélo. On l'a refait en 2020 d'ailleurs, on a déjà nos dossards. Je me suis jetée dessus à l'ouverture, by the way. Et là, c'est complet, je vous en parle maintenant, mais c'est complet. Oui, pour moi, l'étape du tour, ça fait aussi partie des courses les plus exigeantes que j'ai pu faire. Ça a été très dur mentalement, puisque j'ai cru que j'allais jamais arriver au bout de ces kilomètres, de cette ascension sans fin, mon Dieu. Mais ça m'a pas dégoûtée, la preuve. Et ce qui est bien dans le vélo, franchement, hein, ce qui est bien dans le vélo, c'est que c'est beaucoup moins traumatisant, hein, puisque je crois que la semaine d'après, on a fait justement le Maratrail des Passerelles. Mais c'est fou que j'ai oublié cette course dans ce bilan. C'est fou. Mais ça veut dire que je l'ai très très bien vécu, que ça m'a pas traumatisée et que je re-signe cette année. Voilà. Mais clairement, ça fait partie de mes objectifs de faire plus de vélo et de m'améliorer. Donc forcément, j'aimerais faire bien m'améliorer sur l'étape du tour de 2020. On a déjà pris aussi le dossard pour le Half Ironman de Nice en septembre. Maintenant il n'y a plus qu'à organiser tout ça, sachant que Mathieu va faire un Ironman en 2020, donc c'est pareil, il va falloir aussi synchroniser nos objectifs pour qu'on puisse quand même se voir, hein, pour pas passer toute notre vie à faire des préparations, quand même ça peut être sympa. Je suis curieuse de connaître votre bilan 2019, si vous aussi vous avez fait un peu plus de trail, plus de routes, ou vous avez par exemple clôturé votre premier marathon, ou qu'au contraire, voilà. Enfin, je suis très curieuse de vous lire, et surtout peut-être de vous aider en 2020 sur le Dumbido Atelier, puisque ça me permet aussi de mieux vous répondre, de savoir ce que vous voulez faire, et ce que vous avez déjà fait. En tout cas, en 2020, pas de surprise, hein, on continue sur ça. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs, pensez à me suivre sur Strava, puisque je reçois beaucoup de questions sur mes entraînements, qu'est-ce que je fais, et bien sachez que je partage littéralement tout sur Strava. Donc je vous mets mon pseudo ici, ou le tapez dans votre application Strava et vous n'avez plus qu'à me suivre. Voilà, il y a tous mes entraînements, piscine, natation, c'est pas vrai, vélo, mes triathlons, mes courses, voilà, franchement j'essaie de tout mettre dessus. Voilà, sinon c'est sur Instagram, mais voilà, si vous voulez vraiment le détail de mes séances, ça sera plutôt Strava. Voilà, voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être hyper succinct parce que je me dis que au pire, vous avez toujours les comptes rendus si vous vous intéressez à une course en particulier et que vous avez envie de la faire. Voilà, regardez ou lisez les comptes rendus sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Ça vous aidera vraiment peut-être soit à la préparer, soit à prendre la décision de vous dire j'ai le niveau ou pas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaît. Pensez à me laisser un petit like si c'est le cas ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. Bye bye.